Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi je suis heureux de vous retrouver parce qu'on va pouvoir refaire de nouveau une petite ouverture de petite box. Voilà, comme vous avez pu constater, elle n'est pas petite celle-ci. Mais avant qu'on commence cette petite ouverture, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches de notification pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos, et puis évidemment de partager un max et de lâcher des petits pouces bleus. Bon bah on va pas traîner, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit déballage de pop. Et puis bah allez, c'est parti, suivez-moi. Bon voilà, effectivement, ça fait quelques temps que j'ai pas fait sur ma chaîne un petit déballage de pop. Et je m'en excuse d'avance, je sais, voilà. Mais il y a eu quelques petits indifférents. Enfin, pas des indifférents, quelques petits soucis qui m'ont pas permis de faire des vidéos comme ceci. Donc maintenant, c'est chose faite, voilà, vous avez pu voir le petit carton que j'ai reçu. Donc bah, on va pas traîner, on va ouvrir. Alors, il n'y en a pas des milliers des cents, hein. Il y a, je crois, 5 ou 6 pop, hein. Donc voilà, hop, alors. Déjà, plein de cartons dedans. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, effectivement, il y en a 5. On va commencer par... Ah, allez, on va commencer par celle-ci. Alors... Là, on est d'abord sur l'univers Disney, voilà. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a quelques temps, ils ont sorti un dernier Disney Pixar, qui est sorti seulement, si je ne me trompe pas, seulement sur Disney+. Voilà. Donc évidemment, c'est Red, voilà, le petit panda. Voilà. Donc là-dedans, nous avons Meili en fille ou en panda, voilà. Bah, j'ai pu avoir quand elle est en panda roux. Donc on va pas traîner, on va ouvrir, on va voir ce qu'il vaut. Alors. Hop. Alors, il est un petit peu plus gros que la moyenne. Allez, quelques... Ah. Ils ont laissé un petit bout de scotch dedans. Voilà, hop, on va l'enlever, voilà. Alors franchement, la finition, elle est sympa. Les couleurs sont aussi chouettes. Il est un petit peu plus lourd, donc voici... Mais il est un panda roux, voilà, pas aller trop près parce que sinon vous n'arrivez pas à l'avoir en entier. Franchement, il est chouette, voilà. On peut voir que le bas est un peu plus foncé que la partie haute. Sa jolie grosse queue toute touffue, enfin touffue là, voilà, rayée en tout cas. Et voici notre cher Meili en panda. Franchement, elle est pas mal. Elle est, franchement, elle est sympa. Elle pèse quand même son petit poids, hein. Faut pas dire, faut pas déconner. Donc, allez hop, on va ranger ceci. Hop, hop. Si j'arrive à la remettre dans sa petite boîte, ce serait bien. Et voilà. Ça, c'est fait. Pour le premier, c'est fait. Ensuite, nous allons passer... Bah voilà, on va passer sur une série. La dernière, c'est une petite surprise. On attend, ça sera pour la fin. Alors c'est une petite série que malheureusement on attend la prochaine saison. Voilà, laquelle je vais vous prendre pour vous montrer d'abord. On va commencer par celle-là. Voilà, elle est ici. On va déjà la déballer. Alors. Toutes les pop là viennent de chez EMP. Franchement, point de vue emballage, j'ai rien à dire, c'est propre, c'est nickel. Hop, voilà. Donc, c'est sur une série sur Netflix, voilà. Si je vous dis Gérald de Rive, ça vous dit quelque chose? Ouais, forcément, The Witcher. Donc, j'en ai déjà eu deux. Je sais plus où elles sont. Elles sont dans ma collection par là. Hein. Je sais que j'ai déjà dû avoir une fois... Je dois avoir déjà Gérald. Ah oui, voilà. Elle est là. Donc j'ai déjà Gérald, ça c'est sûr. Je sais que j'ai Yennefer aussi, mais... elle est où? Ah oui, là. Elle est là-bas, mais dans un autre costume. Donc là, j'ai déjà Jaskier. Voilà, si, qui est là. Donc on peut avoir encore... Dans la collection de base, nous avons Ciri, Gérald... Yennefer et Jaskier. Donc là, j'ai déjà Gérald, j'ai déjà une fois Yennefer, et là, j'ai Jaskier. Donc on va tout de suite regarder. Hop. Alors. Ah,
Ah, franchement, elle est chouette. Les petits décors sur sa petite tunique sont fort sympathiques. Donc voici notre petit Jasquier. Ah si, regardez-moi la finition sur sa veste. Franchement, elle est vraiment chouette. Et évidemment, il a sa petite guitare, ou mandoline plutôt, dans le dos. Voilà. Elle est franchement sympathique. Elle est pas mal. Voilà. Hop, hop. Hop. Ensuite, bah on va toujours continuer sur la même série, voilà. Alors vu que j'ai déjà Jasquier, Yennefer et puis Gérald de Rive, évidemment, bah il m'en manque plus qu'une. Et oui, il me manquait Siri. Donc la voilà, elle est là. Donc comme ça, j'ai la collection complète. Hop. Ah, c'est quand elle a sa petite capuche, sa petite tenue. Franchement, elle est sympathique aussi. Voici notre petite Siri. Voilà. Ah, elle est sympa, hein. On va pas dire. Voilà. Avec sa petite capuche. Bon, elle a rien d'extraordinaire. Mais elle est franchement sympathique. Il n'y a rien à dire. Elle est propre. Elle est nickel. Les finitions sont jolies. Voilà. On va ranger. Donc on va passer à la dernière. Ceci toujours sur ce Witcher. Mais vous allez me dire, mais je comprends pas. Il a dit qu'il avait déjà les 4. Et oui, effectivement, j'ai les 4. Simplement celle-ci, c'est une édition spéciale. Voilà. C'est une spéciale édition. De Yennefer, voilà. Je vais vous montrer l'autre déjà. Donc nous avons déjà celle-ci, voilà. Ça c'est Yennefer la basique, hein. C'est le standard qui est à la base sur la collection, comme ceci, où nous avons les 4 personnages. Et j'ai réussi à obtenir une spéciale édition spéciale de Yennefer, voilà, qui est comme ceci. Voilà, on peut voir effectivement le petit logo de chez MP où c'est marqué édition spéciale. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'elle vaut. Mais d'habitude les éditions spéciales sont relativement moches et d'habitude elles sont franchement cool. Et effectivement, alors elle est un peu plus petite que les autres, je trouve, enfin en tout cas beaucoup plus légère que les autres. Par contre les finitions, le décor qui est dessus, elle est magnifique. Là, alors je vais vous montrer déjà, voilà, voici Yennefer. Donc déjà on peut voir son masque qui est magnifique, les détails sont vraiment super beaux. Elle a aussi son petit bustier où il y a une chier de détails dessus, qui est vraiment chouette. Et derrière aussi, elle a sa robe qui est mi-ouverte avec des détails, des baroques. Enfin voilà, franchement elle est vraiment chouette, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Voilà. Alors, on va la remettre là-dedans, hop. Si j'arrive à la refermer, voilà. Allez, vas-y, ferme, voilà. Donc là, on a fait tac, tac, on va enlever un peu le chenille, voilà. Et on arrive malheureusement à la dernière pop pour aujourd'hui. Hop, on va enlever le petit carton, parce que ça, on n'a pas besoin, voilà. Donc c'est une édition spéciale, cette fois on passe sur l'univers Disney. Enfin, on a commencé avec Disney Pixar, mais là c'est vraiment une édition Disney spécifique. C'est une édition qu'ils ont sortie pour les 50 ans de Walt Disney World. Voilà. Je ne sais pas si j'en avais une, c'est ce qu'ils appellent les rides. Voilà. Donc cette fois nous avons Capitaine Crochet en ride, voilà, comme ceci. Elles sont assez compliquées à trouver, je trouve, parce que j'ai quand même galéré à la trouver, celle-ci. Je sais que normalement je dois en avoir d'autres, je sais pas où elles sont. Je sais que j'en ai une ou deux autres de Disney. Ah non, là-bas c'était pour les 65 ans qu'ils avaient fait, donc celle-là c'est pour les 50 ans, voilà. C'est pas la même. Hop, mais c'est pas grave. Alors on va déjà voir celle-ci. Allez, viens là mon petit
mon petit Captain Hook. Hop, alors. Alors là, ils en ont fait en fonction de l'attraction Peter Pan. Évidemment, vous savez qu'à Disneyland, que ce soit dans n'importe quel Disney, vous avez les attractions de Peter Pan, de Pinocchio et autres, voilà. Donc là, ils l'ont tiré de première vue de l'attraction avec le petit coaster, voilà. Donc il est dedans, et franchement, elle est magnifique, elle est vraiment jolie, elle est magnifique. Donc je vais vous montrer le cher petit Captain Crochet, voilà. Donc devant, on voit pas trop, mais quand je vais vous la tourner, voilà, vous pourrez voir, il est sur son petit bateau. Et en fait, le petit bateau, c'est en fait le bateau de l'attraction où vous êtes dedans quand vous faites le manège, voilà. Donc elle est vraiment chouette, elle est vraiment magnifique. Les détails et tout, elle est vraiment, vraiment chouette, voilà. Je vais vous montrer l'autre qu'ils avaient fait pour Disney aussi. Alors c'est exactement la même, mais c'était pour les 65 ans, voilà. Pour le Disneyland Resort, c'était aussi sur Peter Pan, mais j'avais, voilà, Peter Pan en fait, c'était celle-ci. Et on peut voir aussi qu'il est sur son petit bateau. Et là, voilà, nous avons le Captain Crochet qui est exactement la même chose, voilà. Elles sont vraiment magnifiques, ces deux figurines, elles sont vraiment magnifiques. Bon bah voilà, cette fois nous sommes vraiment arrivés à la fin de ce petit déballage de pop. J'espère que cela vous a fait plaisir, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait d'un petit déballage de pop comme ça, donc ça me fait un petit pincement au cœur, voilà. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas portez-vous bien, faites attention à la chaleur parce que ça fait chaud, prenez soin de vous et puis à la prochaine, allez, ciao ciao.